Je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, je serais utile à la nation. Tellement on était découragés pour la vie là. Notre seule idée, c'était seulement d'aller en Brousse. Je partais avec mes 10 enfants dans la forêt. Un jour même, on a vu du bois sec. On a voulu aller vers le bois là. On a vu un soulier et puis une jambe. C'était un cadavre qu'on avait caché sous les branchages. Donc, on a eu peur ce jour-là. On a fui et nous sommes rentrés sans bois. Mais le lendemain, la peur a quitté. On est reparti encore en Brousse. Il y a plusieurs dangers. Il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a des petites bêtes même qui mordent. Après, tu te grattes jusqu'à la maison, tu ne sais pas c'est quoi. Mais le lendemain encore, tu es sur la route. Un jour aussi, on a été surpris en Brousse avec la pluie. Le jour là, le vent là nous trimbalait avec nos fagots. Arrivé à côté ici, là, tout près du sad là, il y a un grand fossé qui passait avec de l'eau. J'ai eu un enfant même qui est tombé dedans. J'ai jeté mon fagot, puis je suis tombée dans l'eau, puis j'ai retiré l'enfant là. Donc ce jour-là, on a eu une grande chance. Si le trou était profond, l'enfant et moi, on partait. Sisa samia sira loko nfana ba la ka juya wola mna ka yala kampo mna ka fle na yi loko nyerma soro mi mna ta anfe juna anga se ka dumuni soro ka didim se numa anda na wolo rat dem se wolo fla lo bi fe do ne bi baran ke ni loko ndo ye ka se ka dem se nu ka ekole wo sa do bele ya be tran ka gele yani bo kilo tan wolo fla amitarama sigamba ara mumitu kutante ma do re bo sene ka antan